Tac, c'est bon. C'est parti. Thank you.
Merci. Le prochain morceau est une composition d'Arsenio Rodriguez. Arsenio Rodriguez est un compositeur très très important dans la musique cubaine. Il était trecero, donc le trece c'est une petite guitare cubaine à trois cordes. Et évidemment, comme trecero, il jouait du trece, donc il jouait du son. C'est un peu le style que vous avez entendu sur le précédent morceau. Et Arsenio Rodriguez va moderniser considérablement l'orchestre de son en ajoutant le piano, en ajoutant le premier, les congas, avec les bongos, en doublant et triplant les trompettes, en modifiant les structures des morceaux. Et il a un petit peu posé les bases de ce qui allait être plus tard la salsa. Donc Arsenio Rodriguez, sa carrière s'étend à peu près des années 40 jusqu'à la fin des années 60. Et ce morceau, cette composition d'Arsenio Rodriguez, dans une version, voilà, je vous la joue dans une version qui a été arrangée de manière un petit peu plus moderne qu'à l'époque, et ça s'appelle Quand nous amons, quand nous amons, c'est Boro, otro amor. Después viene dos.
I
batterie et à la guitare, Frédéric. Et le prochain morceau est de nouveau une composition d'Arsenio Rodriguez. Ce compositeur, ce tressero cubain. Et ce coup-ci, dans un arrangement, là aussi, un petit peu plus moderne que les années 40, bien sûr, parce que, voilà, il y a pas mal de monde sur scène, d'un groupe suédois, dirigé par un cubain quand même, un groupe suédois, qui s'appelle Grupo Danzón. Voilà, et ça s'appelle... Cours et prends la poêle. Camina y prende el fogón. Que me voy en el mundo para ver amor.
Donc voilà, c'était Kalina et Plaine del Fogol. Le prochain morceau est d'un style un petit peu différent, un petit peu plus moderne dans les sonorités, puisque à la chute du mur de Berlin, en 1989, les autorités cubaines ont relâché un petit peu la pression sur la vie culturelle dans l'île, et les musiciens cubains se sont engouffrés dans la brèche en quelque sorte, en ajoutant déjà à leur répertoire et à leur style déjà très 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 varié d'autres éléments venus principalement d'Amérique du Nord, de musique afro-américaine, comme le funk, le jazz rock, le hip-hop, le rap. Donc tout ça a donné naissance à un nouveau style dans les années 90 qu'on appelle la timba. Et le premier groupe à avoir popularisé ce style sur la jeunesse cubaine s'appelle Enere La Banda, et on va vous jouer un de leurs morceaux qui s'appelle Veneno. Thank you.
Merci. Un autre compositeur très très important dans la musique cubaine, après Arsenio Rodriguez, il est plus récent, il est mort il y a 2 ans, c'est Juan Formel. Juan Formel a monté un orchestre en 1969. Cet orchestre existe toujours. Il est très très célèbre, alors aussi célèbre que Johnny Hallyday ici en France, aussi célèbre à Cuba, mais célèbre aussi dans le monde entier. Il passe très régulièrement en France. Ça s'appelle Los Van Van. Et c'est un morceau donc de Los Van Van que nous allons vous jouer et que va vous interpréter Mélissa et qui s'appelle Mimimi. Eso que tú quieres, mi, eso contigo, no.